Aujourd'hui nous allons débloquer un TP caché ainsi qu'un hydroculus caché. C'est parti Abonne-toi pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve dans cette zone précisément ici. Vous aurez juste à prendre le TP qui se trouve là et vous dirigez vers ce point et vous aurez du coup un canon qui se trouve juste là. Malheureusement pour l'utiliser il va falloir parler à cette dame qui nous posera des questions à trois reprises. Si on répond à trois reprises correctement et eh bien nous pourrons utiliser ce fameux canon pour débloquer le TP qui se trouve juste derrière ce mur. Nous allons d'abord utiliser le canon à une première reprise, mais comme tu peux t'en apercevoir, cette dame intervient. On lui parle. On lui reparle à nouveau. Il va falloir tout simplement répondre correctement aux questions. C'est parti, la première réponse est la suivante. Trois tables. Prenez bien cette réponse-là, sinon ça ne fonctionnera pas. La seconde est à nouveau trois. Et pour terminer, la dernière réponse est la fleur romaritime. Ce qui fait qu'on répond... À trois reprises correctement aux questions, on va pouvoir du coup utiliser ce fameux canon. Vous ne touchez à rien, vous tirez tout simplement en faisant entrer ou je ne sais quelle touche euh, par rapport à votre plateforme, et puis naturellement vous cassez le mur qui nous dérangeait précédemment. Une fois cassé, vous débloquez effectivement un petit coffre délicat, mais surtout ce fameux TP caché. Voilà, et pour les deux hydroculus vous aurez juste à descendre par là le premier se trouvera sur la gauche directement donc juste ici et le second se trouvera euh, dans, à la, dans tout en haut là au niveau de la fée en fait directement hop vous passez par là Voilà vous allez dans la surface du dessus, juste là, et voilà, se trouve juste ici. Moi, je ne les prends pas parce que ça sera l'objet d'une vidéo, tout simplement localisation de tous les hydroculus de cette troisième zone de fontaine, mais vous pouvez les prendre dès maintenant si vous voulez gagner du temps. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à me rejoindre sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes se retrouveront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mi-jour 4.2 et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!